Bonjour à tous, bienvenue sur ma vidéo spéciale jambes fuselées de danseuse. Donc aujourd'hui nous allons travailler les mollets, les cuisseaux et les fessiers et bien évidemment tout le maintien du corps pour obtenir des jambes de danseuse. Nous allons travailler 45 secondes avec 15 secondes de repos entre chaque exercice. En tout je vais vous donner 10 exercices que l'on va répéter en deux tour. On va commencer directement avec notre premier exercice. Donc le premier exercice, ça va être un relevé sur pointe comme ça. Ok? Et on redescend, on maintient bien tout le corps. C'est parti en musique. Et bras ici, on lève, descend. Lève, descend. Lève, descend. Parfait. Très bien. Hop, continue. On a 45 secondes en tout, ok? Les 15 dernières secondes, on va faire des petits sauts, on va décoller. Je vais vous le dire quand on y arrive. On serre bien les fessiers, le ventre, le nombril est bien rentré. On y va, on décolle. Et 10 secondes. On plie à chaque fois. Et on essaie de garder le haut du corps long et maintenu. Super, on arrête. Maintenant, on va passer en position seconde. Même chose, on va lever, décoller les talons, ok, du sol. On va ramener nos bras en avant. On maintient le haut du corps, on se grandit au maximum. C'est parti. Yes. Allez. Normalement, ça commence déjà à brûler. Vous allez voir, cette séance est intense. On rentre bien sur tout, les fesses, tout est maintenu. Yes. Allez, on tient. Et on va pareil, plier, décoller. C'est parti. Très bien. Super. Maintenant, on va faire des grands pliés. Regardez, vous avez 15 secondes de repos. On reste en 30 secondes. Faire un grand plié, on va décoller les talons. Et on se grandit au maximum avant de revenir. C'est parti. On plie, on lève, on tend et descend. Plie, lève, tend. Descends, plie, yes, super. Et tout le long, on garde tout notre corps bien maintenu. Yes. Ici, toujours, le bassin est vers l'avant. Je ne veux pas de fesses en arrière, ok? 15 secondes, on reste avec les talons décollés et on pulse. Yes. Allez, on fait brûler les cuisseaux. Plus que 4, 3, 2, yes. Hop, on relâche. Prochain exercice, vous avez 15 secondes, regardez-moi. Vous allez aller de côté en faisant une fente. On va avoir les bras de côté. Et on va revenir ici en passé, ok? 15 secondes, on y va. Hey. Et on cède des bras ici vraiment pour trouver l'équilibre, ok? Bravo. Allez les MP Girls. On aime tout. Les 15 dernières secondes, on restera à droite, ici. Hop. Et on fait des petites pulsions. Hop. Allez, ça brûle, ça brûle. C'est bien si ça brûle. 3, 2, 1, yes. On relâche, on va faire exactement la même chose du côté gauche maintenant, ok? Donc on va de l'autre côté, nos tapis de yoga, tu es sur un tapis. On se prépare, on peut venir directement passer ici, hop, et on va de côté en fente. Yes. Et pareil ici, pour bien rester en équilibre, vraiment, on essaye de maintenir
un corps bien grand. Ok, on essaie d'aller loin et on plie encore plus. Hop, on va vraiment chercher loin. Girlfriend. Ok, on reste en bas. Fais travailler les cuisses. Allez, plus que 4. Très bien. 15 secondes. Relâchez tout et regardez-moi. On va descendre ici en squat et on va lever notre jambe en arrière en attitude, ok? Et on reviendra devant et on changera de sens. On y va, c'est parti. Hop, côté. Yes, super. Yes. Et là, pareil, on essaie de garder le buste bien droit quand on descend en squat. Ok, maintenant, on va rester avec une jambe en haut et on pulse en arrière pour travailler les fessiers. Allez, on tient. Très bien, on relâche. Hop. On va faire exactement la même chose et à la fin, on va faire des pulsions avec l'autre jambe. C'est parti. Allez, on essaye de bien descendre, on essaie de casser la parallèle quand on descend en squat. Super. Allez, on reste en haut. Plus que 4, 3, 2, yes. Maintenant, on va se mettre sur le dos. Regardez ici, on va croiser deux fois et on va ouvrir, ok? Hop, on attend 3, 2, 1, croise, ouvre, croise, ouvre. Croise, ouvre. Et on essaye de garder les pieds bien pointés, les jambes droites au maximum. Allez, se fait travailler l'intérieur et l'extérieur des cuisses. Allez, plus que une. Parfait. Maintenant, on va plier une jambe ici, la jambe qui est au sol. Vous la pliez, l'autre, vous la croisez devant. Vous tendez la jambe de sol et vous allez monter en petite pulsion comme ça avec votre pied flex. C'est parti. Yes. Allez. C'est mon exercice préféré, ça. Je ne sais pas pourquoi je l'adore. Donc, vraiment, l'effort, il est vers le haut, ok? Et là, c'est l'intérieur de la cuisse que vous allez travailler. Moi, je le sens déjà que ça brûle. Allez, plus que 9. On tient. 3, 2, 1, on relâche, bravo! Même chose de l'autre côté. On plie nos deux jambes, on passe celle de derrière devant et on tend la jambe de sol. On va la flexer et même chose, on va faire des petites pulsions vers le haut pendant 45 secondes. C'est parti! Et ça, c'était le dernier exercice. On a déjà fait 10 exercices, donc ça veut dire qu'on a déjà fait la moitié de la session. On va tout simplement reprendre tout du début. Donc, on va reprendre
avec les relevés sur pointe. Et vous allez voir, après cette séance, tout votre corps va picoter. Allez, on tient. Bravo en tout cas, déjà d'avoir tenu jusqu'à là. Donc si jamais ça vous suffit, vous pouvez vous arrêter là. Mais je conseille vraiment, surtout pour les avancées, de faire deux tours. Hop, sinon vous pouvez juste utiliser cette première partie en complément de toute session de HIIT ou Tabata, enfin ce qui vous plaît. Hop, et super, on reprend du début. Alors, on reprend position première, nos bras devant. On rentre le bassin, on se grandit, le nombril est rentré, on descend les épaules et c'est parti pour les relevés. Yes, nickel. N'oubliez pas non plus vraiment de vous échauffer avant chaque séance et de vous étirer. Je vous mets des liens sous chaque vidéo avec mes guides échauffement et étirement. Donc n'oubliez pas, c'est vraiment très important. Hop. Allez, plus que 20 secondes, donc dans 5 secondes, on décolle. C'est parti, on plie, décolle. Yes. Hop, on se prend pour des danseuses classiques là. Et on essaye d'être légère dans le sol. Hop, plie bien, yes. C'est parti, seconde, on écarte. Si vous voulez, vous pouvez un peu secouer vos jambes comme ça, ça détend. J'aime bien faire ça entre les exercices. On y va, 5 secondes. Hop. Même chose, on décolle. Et on peut ouvrir les bras, seconde. Allez. Plus que 30 secondes. Ça veut dire que dans 15 secondes, on décolle. Pareil, n'oubliez pas vraiment de bien rentrer le bassin en avant. Je vais vous montrer la différence de profil. Ça, c'est un bassin basculé en arrière, ça en antérieur. On y va, on décolle. Allez, on grand plié. Et on descend bien bas. Yes. Super. On relâche. Donc maintenant, on fait les relevés. On descend en grand plié, on pose et on tend. Ok, on connaît déjà. Bras seconde, grand plié, descend, décolle, on tend, on descend. Plie, décolle, yes, super. On descend les épaules. Attention parce que quand on fait des efforts, souvent en danse, on a tendance à lever les épaules comme ça. Mais au contraire, il faut tout détendre. Yes, voilà. Allez, prochain, on va rester en bas et on va faire des petites pulsions. Super. Take it away, take it away. Allez, plus que 3, 2, 1. Et on relâche, yes. Et maintenant, c'est fente. Côté et on revient ici en passé, ok? Allez, on tient. Vous allez voir, elle fait vraiment... J'adore cette séance. On commence donc avec notre jambe droite, en passé, bras devant, et on passe de côté en fente. Pour les avancées, vous pouvez même monter ici, regardez, sur la pointe, ok? C'est le deuxième tour, donc on peut un peu compliquer la chose. Et sinon, les débutants, vous pouvez tout simplement rester à plat. Ok. Mais les avancées, je vous conseille amplement de venir sur relevé. On reste ici côté, pulsion. Allez, on fait travailler le cuisseau. Cuisseau droit pour le moment. Deux, un, et on relâche. Super, on va passer sur l'autre jambe. Jambe gauche, même principe, les avancées, si vous pouvez, hop, on remonte en relevé, ok? 2, 1, on y va. Et là, idem que pour l'autre, on garde les épaules baissées, ok? Allez, relevé pour les avancées.
Et si vraiment le passé est trop compliqué, vous faites même juste revenir ici, ok, pour les débutants. Hop. Vous pouvez toujours adapter les exercices. On reste en bas. Du coup, en fait, l'essentiel, c'est de ne pas lâcher. Faites-le à votre rythme, mais ne lâchez pas. Ok. 4, 3, 2, 1. Yes. On relâche. Alors, maintenant, on va faire la même chose avec nos squats en attitude couronne, mais on va le faire d'un seul côté, ok? Donc, on va commencer avec la jambe gauche arrière, mais du côté droit. Ok? On y va. Hop, arrière. Toujours du même côté cette fois-ci. On complique, donc on va faire brûler. Là, il faut vraiment que vous engagiez vos fessiers gauche. Ok? Là, c'est là où vous devez le sentir, l'exercice en attitude. Et pareil, on garde bien évidemment notre haut du corps bien haut. Ok. Et les 15 dernières secondes, pareil que tout à l'heure. Par contre, on va garder la jambe en haut en faisant des petites pulsions pour travailler les fessiers. Hop. Et on reste. Yes. Plus que 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Yes. Bravo. On relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Je ne sais pas vous, mais moi, je commence à transpirer. La team tomate est bien ici. Si vous aussi, vous êtes en train de transpirer, l'autre côté, on y va. Mettez-moi une tomate en commentaire. Comme ça, maintenant, je vais voir qui suit les vidéos scrupuleusement. Plutôt que de le mettre en commentaire, je vais le mettre au milieu de mon workout. Comme ça, au moins, je vois qui l'a fait en entier et qui a réussi à faire les deux tours. Donc, si vous en êtes arrivé jusqu'à là, mettez-moi une petite tomate en dessous de la vidéo. En tout cas, je vous félicite déjà d'avoir réussi deux tours parce que je sais que ça pique. Ok, on va rester en haut. Hop. Allez, on travaille le fessier. Fessier droit cette fois. Allez, on tient. Hop. Plus que 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Parfait. Ok, on reprend sur le dos nos ciseaux ouverture. Maintenant, au lieu de faire deux ciseaux, on va en faire 4. Ok, 4 petits battements ciseaux. Ça veut dire qu'on va faire 1, 2, 3, 4. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et j'ouvre. 1, 2, 3, 4. Et on essaie de garder les petits battements ciseaux tout petits. Allez. C'est drôle parce qu'on pense qu'on ne va pas transpirer parce qu'on travaille principalement les jambes, mais je vous garantis que ça me fait bien transpirer. On garde les jambes bien tendues, les pieds bien pointés. Yes, bravo. Allez, maintenant l'intérieur des cuisses avec nos deux derniers exercices. Hop, on se met sur le côté. On croise une jambe. On flex la jambe qui est au sol. Et on va décoller. C'est parti maintenant. Hop. Et là, des petites pulsions. Là, vraiment, ce qui va être important, c'est de travailler en petites variations. On ne veut pas faire des grandes comme ça. Si je vous demande vraiment de faire des tout petits battements. J'adore cet exercice parce que j'ai vraiment l'impression qu'il me fait bien travailler l'intérieur. Je ne sais pas vous, mais moi, oui. Dites-moi aussi l'exercice que vous avez préféré, au fait, si c'était le premier, le deuxième, le troisième. Enfin, dites-le moi, comme ça, je peux m'adapter, comme d'habitude, à vos envies et vos besoins. Allez, plus que 15 secondes, je sais, ça brûle, mais on tient, on tient. C'est vraiment là que ça travaille. Allez. Plus que 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, bravo. Et on change de côté. Allez, dernier exercice. On tient. Pareil, on croise une jambe devant. Ici, on flexe la jambe qui est au sol. On attend, on a encore 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Yes. On est déjà au dernier exercice. Très honnêtement, je trouve que ça passe tellement vite ces séances.
Donc encore une fois, n'hésitez pas aussi à l'utiliser en complément d'une autre session. Celle-là, vous pouvez faire un seul tour si vous voulez faire un petit focus jambes après une session de HIIT, comme je vous l'ai dit, ou Tabata, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne ou sur des autres chaînes. Si ça vous a plu également, n'hésitez pas à vous abonner et à utiliser la petite cloche. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça met des notifications à chaque fois qu'il y a un live qui commence, qui démarre ou une nouvelle vidéo. Voilà. J'ai découvert cette fonction il n'y a pas longtemps, donc je la partage avec vous. Allez, on a presque terminé. 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Ah ah, ça c'était les trois bips de fin qui veulent dire qu'on a terminé notre séance. Bravo mes MFit Girls, ma team tomate. N'oubliez pas de me mettre ci-dessous l'émoticône que je vous ai dit plus tôt si vous avez transpiré. Moi j'ai chaud chaud chaud, comme quoi les séances focus jambes fuselées peuvent aussi bien faire transpirer. Je vous remercie encore une fois d'avoir été ici. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, likez, laissez-moi un commentaire ci-dessous. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et de vous étirer. Également, c'est très très important. N'hésitez pas non plus à me dire s'il y a d'autres séances que vous voulez faire sur une partie particulière du corps. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao !